Yo à tout le monde, je m'appelle Madeline Aruria et je suis fondatrice de la marque Pihiti Savoir-Faire de Polynésie. Comme son nom l'indique, Pihiti est né d'une volonté de promouvoir le savoir-faire ancestral de Polynésie française. Pour cela, Pihiti veut proposer des cosmétiques naturels polynésiens formulés à partir de plantes sourcées auprès de producteurs du Pacifique. Pihiti, ce n'est pas seulement une marque, c'est un mouvement, une action éthique et solidaire vis-à-vis des petits producteurs du Pacifique. Une action naturelle à travers des soins minimalistes et efficaces. Et une action éco-responsable avec des contenants en verre, aucun emballage secondaire et un système écologique pensé tout au long de sa chaîne de production. Pourquoi Pihiti? Pihiti, c'est le nom d'un oiseau. Un oiseau au plumage dégradé de bleu provenant des îles Marquises. Symbole de liberté et de réussite, Pihiti reflète pour moi mon envol vers cette nouvelle vie. En fait, cela fait 7 ans que j'ai quitté mon île natale Tahiti pour poursuivre mes études en métropole. J'y étudie la biologie, les sciences de la vie et l'enseignement. Toutes ces années passées loin de ma famille et ma région m'ont permis de constater la richesse de notre savoir et de nos ressources naturelles. Aujourd'hui, je suis fière que de nombreuses familles polynésiennes revalorisent ce savoir et ses ressources à travers l'agriculture, l'artisanat et la pêche. En créant Pihiti, je souhaite soutenir et collaborer ces producteurs et artisans à travers une gamme de cosmétiques simples, respectueuses de l'homme et de la planète. Dans cette gamme, vous retrouverez deux produits, un baume réparateur décliné sous deux formats, ainsi qu'une huile démaquillante de 100 ml. Aujourd'hui, je participe au Prix Mouchi pour tout d'abord faire parler de ce projet, projet sur lequel je travaille depuis un an et demi maintenant. Mais aussi, remporter ce prix me permettrait de financer la mise en conformité de deux autres produits qui seront ajoutés à cette gamme de lancement. Donc, si ce projet vous a plu ou si mon univers vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un like, à partager cette vidéo, mais aussi à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. C'était Madeline Aruria, fondatrice de la marque Pihiti Savoir-Faire de Polynésie. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.